Salut à tous et à toutes, c'est Dylan Nord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on a eu le teaser de Black Ops 3, le DLC 4 pour le zombie. Donc on a eu un teaser, donc un petit teaser de 1 minute. Et donc c'était pour la map du DLC 4 du zombie qui va s'appeler Révélation. Et donc pour le DLC qui va s'appeler Salvation. Alors il y a eu des leaks sur le PlayStation Store qui disaient que ça s'appelait Salvation. Et donc ça s'avère être vrai. Donc ça va s'appeler Salvation, le DLC 4. Et donc avec la map Révélation, donc pour le zombie. Et donc il y aura aussi 4 maps multijoueurs et une map pour le zombie comme d'habitude. Hein. Ça va pas être un DLC seulement zombie. Et je doute vraiment beaucoup. Alors le DLC 4, la map Révélation. Donc cette map, où est-ce qu'on va avoir toutes les révélations, tout ce qui concerne l'histoire du zombie depuis toutes ces années. Et donc vraiment, la map a l'air vraiment géniale d'après le teaser, Révélation. La map a l'air vraiment géniale. Alors qu'est-ce qui est bien avec cette map? C'est que cette map va regrouper des parties de toutes les maps qu'on connaît déjà. Donc il va y avoir des parties de la première map jamais créée, donc qui était sur World at War. Il va y avoir des parties de Ascension, de Origins. Il va y avoir des parties de Kino der Toten, de Shangri-La. Et il va y avoir des parties de Mob of the Dead. Il va y avoir vraiment des parties de toutes les maps. Il y a même aussi de Der Ice and Drac. Il y a aussi Gord Krovi, parce qu'on a pu voir un dragon qui était à côté de Nikolai. Et donc il y aura vraiment toutes les parties. Et donc cette map a l'air vraiment intéressante. Vraiment, c'est une map qui a l'air vraiment bien. Parce que ça va regrouper toutes les maps un peu de tous les zombies. Et ça va être la fin de cette histoire qui dure 8 ans. Parce que depuis World at War, les personnages d'origine, donc Nikolai, Dempsey, Takeo et Richtofen, ça fait 8 ans que cette histoire tourne dans la tête des joueurs. Et ça fait 8 ans qu'on veut que ça termine, tout simplement. Et donc maintenant ça va terminer, c'est dans quelques semaines pour la sortie du DLC 4, ça va se terminer, ça va être la fin, ça va être vraiment la fin de l'histoire de 8 ans d'attente pour les joueurs. Hein. Donc vraiment 8 ans d'attente pour ça, donc ça va être fini, c'est la dernière fois que vous allez voir les personnages d'origine peut-être pas, on sait jamais avec Treyarch, mais ça va être la dernière histoire. Et donc je vous laisse avec le trailer, avec le son, pour que vous voyez par vous-même, pour que vous entendiez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les informations, que ce soit sur Call of Duty Infinite Warfare, Call of Duty 4 remasterisé et Call of Duty Black Ops 3, et aussi Modern Combat Versus et Modern Combat 5. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Unimaginable evil manifests all around us. So much of the past has returned, but what of our future? We put our fates in the hands of a madman. Truly, we have reaped what we have sown. Mein Gott, what have I done? It's stopping it, but breathe. Marxist! We'll fight side by side, back to back. Even if it's for the last time.